Oh suprême amour, vivre pour t'aimer est un vrai bonheur qui maintient en moi ce que me soutient en toi et qui demeure. Je t'aime, Jésus. Au fond de Hi, good evening, ladies and gentlemen around the world. This is me, Didion Langwa, once more here in India. We are talking about one topic. What happened this morning? So really, it's very, very shocking and very, very sad to hear what is happening here in India, where we are exactly in New Delhi. And so today, this morning, we are here. This place you see, we are in area where they call Bogal Markets. So there is one story with what happened here about one of our friend, African. So he dead. He didn't die normally, but he has been killed. So it's a very, very amazing to see that now all this from this year only, just this new year, 2014, we've got too many people. We've lost too many Africans killed, dead by an accident and other ways. So you know, it's a very, very amazing and so very shocked, because here in India, exactly where we are, so very, very, I don't know how can I explain, but today we are going to discover it together with our brother to know what happened exactly. But what I'm telling you, that no one of our friend African was killed. We don't know how, because we find him just somewhere near the market. So that's why we came to know, because police also are just around to make some investigation. So together we are going to discover what happened exactly. We have some witness who we have been to the place at the moment. They are going to tell us what happened and what time it happened. So I'm going to approach our friend. He's here. He's going to present himself and tell us what happened exactly. Yes, I'm going to meet our friend. I think our friend is going to say himself, I think maybe in English or French, wherever he can feel easy to tell us what happened exactly. And we're going to give the message to you normally. Yes, bonsoir mon frère. Bonsoir à vous, merci. Je m'appelle Didier Ngongo, et vous? Oui, moi je réponds au nom de Junior Ilunga. Oui, Junior, en fait nous sommes venus dans ce quartier ici, là où nous sommes, c'est Bogal. Nous sommes précisément à New Delhi et on ne sait pas, mais on nous a dit seulement qu'il y a un Africain qui était mort ici, tué, je ne sais pas moi. Est-ce que toi, en tant que témoin, je sais que tu peux nous dire quelque chose sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oui, normalement, tout s'est passé aux environs de 9 heures. J'habite dans le quartier, comme il vous a dit, et je voulais prendre mon petit déjeuner juste en allant chercher des œufs. J'ai vu un attroupement des Indiens, un attroupement des personnes. Dans le sens inverse de où j'allais, c'est-à-dire dans le sens inverse de la principale, vers l'intérieur. C'était une masse de personnes qui avaient l'air intriguées par quelque chose. Et vu que j'étais le seul noir dans les secteurs, ils ont eu à m'appeler pour venir voir ce qui se passait. Et en approchant, je me suis rendu compte qu'il y avait un cadavre qui était là. C'était un cadavre emballé dans un... Oui, Junior, s'il te plaît, le matin, c'était vers quelle heure, disons? Vers 9h, aux environs de 9h, 10h, ça veut dire 9h30, 9h30 environ. Oui, mais juste, c'est comment c'est que c'est passé? Quoi, vous avez trouvé les lieux? C'était comment? Oui. Parce que vous habitez comment ces quartiers ici? Et c'est comment? Est-ce qu'il y a l'insécurité souvent ou comment? Non, bon, vous savez, ce quartier, c'est pas un quartier si insécurisé que ça, parce que c'est un quartier où habitent des personnes âgées, premièrement. C'est vrai que il y a le market à côté, mais il y a des personnes âgées qui habitent les lieux, ce qui fait que c'est un quartier paisible, qui est sécurisé. Mais nous avons eu la grande surprise de voir ce corps emballé dans une bâche. Et la personne était attachée, curieusement. Ce qui fait qu'on était vraiment choqués, vu que on n'a jamais vu d'incident comme ça dans le quartier. Il y a eu la police qui est venue sur place et ils ont eu même à me demander si je pouvais aider à la reconnaissance faciale de la personne qui était sur place. Mais avant la personne, il y avait pas trop de commentaires à faire, parce que la personne a été, on dirait, agressée. Avant sa mort, il a été abattu. Il a été battu à plusieurs fois parce qu'il était méconnaissable. Et voilà, c'est ça le constat qu'on a pu faire. Un constat très triste, mais qui est vrai. Et quelque part, à partir de ça, on se sent aussi en insécurité. C'est maintenant qu'on se sent en insécurité. Maintenant, parce que aujourd'hui, c'est un frère, demain, c'est une sœur, et après, demain, ça peut être même moi. On ne sait jamais, alors on essaye de se mettre à l'abri de tout ça. Oui, Junior, en fait, qu'est-ce que vous demandez maintenant par rapport à vous? Vous voyez, parce que tout le temps, on a toujours la mort, côté des Africains. Qu'est-ce que vous faites demander
à nos gouvernements et aussi à... Parce qu'ils sont... il y a une relation diplomatique, tu vois. Oui. Parce qu'il y a une collaboration diplomatique avec l'Inde et nos pays, les Africains et autres, par-ci, par-là. Qu'est-ce que vous demandez? Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous demandez vraiment à nos gouvernements et aussi au gouvernement indien? Voilà, nous, ce que nous aimerons demander au gouvernement congolais, en collaboration avec le gouvernement indien, bien sûr, nous demandons à ce qu'ils puissent mettre plus le point sur les faits sécuritaires pour nous les étrangers, pour nous les étudiants qui venons avoir des nouvelles connaissances dans ce pays, qui venons pour des études. Nous voudrions vraiment se sentir en sécurité parce que c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Et même dans le passé, comme vous venez de dire, il y a certains corps qu'on retrouve comme ça, il y a des gens qui meurent, mais les enquêtes n'aboutissent pas. Les enquêtes n'aboutissent pas. Mais pourquoi ça n'aboutisse pas? Peut-être vous laissez faire des choses que vous devez peut-être prendre au sérieux. Pourquoi ça n'aboutisse pas jusqu'à la fin? Il n'y a pas l'assistance du gouvernement ou bien de nos autorités, pas, je peux dire l'ambassade et les autres, ou bien quoi? C'est quoi juste? Parce que perdre comment un être humain, c'est trop cher, tu vois? Et alors, il faut y avoir des enquêtes jusqu'à la fin et trouver une solution pour que ça puisse plus se répéter. Mais là, ça se répète de plus en plus. C'est dit à quoi? Parce que souvent, dernièrement, on a perdu un frère, là, ben, les enquêtes ont commencé, mais ce n'était pas arrivé jusqu'à la fin. Et alors, quand ça n'aboutit pas, on voit comme si vous êtes incapable de faire des choses. Voilà pourquoi ils sont en train de continuer. Ce sont comme s'ils sont de vous défier. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que cela puisse commencer à arrêter, que ça ne puisse plus se reproduire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, moi je trouve, d'après moi, c'est que quand ils activent les poursuites, les enquêtes et tout ce qui va avec, c'est-à-dire quand ils commencent les enquêtes, ils nous mettent souvent au courant. Il y a des spots qui passent, il y a les émissions de M. Tchende que nous suivons souvent. Quand il y a un événement qui se passe, ils nous mettent au courant qu'il y a des enquêtes qui ont commencé suivant telle activité ou telle activité qui sont passées quelque part, tel meurtre ou tel meurtre. C'est bien de nous montrer qu'ils ont commencé, mais nous voudrions aussi avoir la suite ou bien l'aboutissement de ces enquêtes, si je peux dire. L'aboutissement, ça veut dire que on a arrêté le coupable a été arrêté. Ils ont abouti à une bonne fin. Comme ça, qu'ils nous mettent aussi au courant après. Et ça nous permet de sentir un peu plus en sécurité. Parce que commencer l'enquête, c'est bien. Mais aboutir, c'est une autre chose. Il faut aboutir à la fin de l'enquête pour sécuriser les étrangers, pour nous sécuriser afin que nous puissions être un peu plus rassurés sur ce point. So, actually, around the world, I told you this myself, Didier Wangwa, in terms of production. As we told you, we are here in New Delhi, exactly, precisely in Bogle Market. So we find one of our friends who have been killed here in this area. So that's why we came just to discover and to make some investigation together with police. So they are there, and so that's why we came here. So our friend who is a witness, he has been there since the morning because he just stayed in this area. That's why he came just to tell us what's happened exactly. So what's happened? So this morning, as he said, he went just for buying something for his breakfast, and so he just saw people, a group of people, police. They called him, as he is an African, to see if he can recognize the person. The person who has been killed. So that's why he went there, but the person was just packaged. Now they packaged the person after they killed him, and so they packaged him. So, and after, I think it can be one day before that. So that's why we cannot recognize the face of the person. Our friend was so very sad to see that, because it's not the first time, and we are just seeing all these things just many times, you know. And so that's why we Africans, so we are just trying to say that what's happening is not good, for real, you know. It's not good. So we just try to talk about our rights, you know. It's our right, we have to talk, because we don't like these things, what's happening like this. So that's why you see, last time we lose many people's, we are just losing, you know, every time. So that's why we are just calling you people, please, to try to do something about it. So that's why you see, we cannot do something, because it's also a simple students in this country. So he's trying to, we cannot do also something, but we can just ask to our authorities, government, embassies, to try to do something, to do some good collaboration, because this is diplomatic collaboration, relations. So it's like win and win, not win and lost. We cannot be just every time crying, nothing is coming like solution. So that's why we came to discover this place exactly, together with Change the Production, because Change the Production
actions, just there to informing you. It's not a political group, but they're just mediatic group to inform you, to give you news, to tell what is happening around the world. And so that's why we came in this area, to discover what is happening. And we're so very happy because we know that all over the world where you are watching us, so try to do something, even your comments, it can be very very important for us. Oui, merci. Je salue ma famille précisément à Lubumbashi et je salue tous mes amis, collègues et connaissances ici à Delhi et partout dans le monde. Merci. Okay, so I think we are just going to end our show, but we cannot end our show like this without to think about people who just supporting us around the world and where. So I think I can just tell that no, actually, it's not easy, you know, being like abroad, around, like here, you know, foreign country is not easy. But what does we want? The support of our government, of African government, and all over the world, you know, we just need to be one and also to be supported from our government. That's why just we can say that today it was very, very sad. Can you imagine you send your brother, your son, your daughter to study, and after study, if even not finish, then he dead. He died. Why? Because they killed him. It's not good. No one can be happy of kind of situation like that. So that's why we are just calling everybody, please, firstly to my fellows Africans and others, to be very, very careful. You know, be very, very careful, because it's not, and walking also, just walking around nighttime is not fine. You know, try to have your time of having fun, but also you have to know to be careful and go back home on time. It's not very important. Work night is not very good. So that's why we came to show this show, and just to inform you, as I told you like first time, that we are there to inform you and also try to give you like education. So that's why I'm so very happy to present to this show today, myself Didi Ngwangwa, and together with Change the Production Group. Jaillir un chant d'amour pour celui